Qui vient de passer avec le numéro 22 qui est la voiture de la société Le Boucher, Marbreville Place, Adrien Tirano. Et si elle continue comme ça, elle devrait, je pense. Je m'appelle Pascal Martelière. En fait, je viens de Luynes. Voilà, je participe à des courses parce qu'en fait, mon gendre et ma fille se sont investis pour participer à des courses sur la voiture remarquée. Puis il y avait des pilotes manquants. Comme on a dit accompagné et qu'on était en tant que spectateur, on nous a dit est-ce que vous voulez pédaler ? Alors on fait un petit peu de VTT quand même, occasionnellement avec mon mari le dimanche. Je sais pas. Et on s'est dit pourquoi pas. Je sais pas si. Et finalement, on est parti, on a bien aimé le petit côté festif. C'est sympa. L'encouragement du public, tout ça, donc voilà, les déguisements, voilà, c'est pas on essaie d'apporter un petit côté... Vous jouez pas être l'espoir général, quoi. Voilà, c'est ça. On est plus là pour le stand, les costumes, la note esthétique, voilà, la performance sportive, que les gens traversent. Pas des grosses cuisses. Soyez raisonnables, ne traversez pas dans les voitures. Puis on s'amuse bien. Et vous faites ça juste pour cette course-là ou vous en faites d'autres dans l'année ? Non, en fait, depuis qu'on a commencé là, comme ça occasionnellement, du coup, on se retrouve à faire régulièrement des courses. On en a fait une à Rambouillet, on en a fait une à côté de Poitiers, on en a fait une à Château-des-Loings, et celle-ci, on ira peut-être faire celle de Saint-Étienne, c'est 24 heures à Saint-Étienne. Du coup, comme on aime bien, quand il y a besoin d'un pilote, on sait qu'on est disponible. Et puis, du coup, on vient nous appeler et nous dire est-ce que vous voulez bien piloter avec nous ? Pas de problème, ça marche.